bonjour, bonjour, amis fidèles, nouveau numéro du monde qui change. alors, cette fois-ci, nous allons avoir le plaisir de recevoir max Jean Zins, que je vais appeler max et que je vais tutoyer, ce qui ne vous surprendra pas compte tenu du passé. Euh, max est un spécialiste de l'asie, un spécialiste particulier de l'inde. Euh, il était, euh, avec moi, membre du bureau de politique extérieure du parti communiste français. le vrai. Hein, pas l'ERSAT, le, ce qu'on nous sert aujourd'hui. Et euh, il a même été responsable de la section Asie, mais c'était il y a longtemps, mon cher Max. Hein. On a un ah peu vieilli, oui. on a un petit peu euh, vieilli mmh. depuis. Et euh, tu as continué cette trajectoire euh, concernant cette partie du monde, l'étude de cette partie du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle je t'ai demandé d'intervenir. Alors, tu vas peut-être compléter cette présentation euh, par tes titres actuels et par ce que tu fais en ce moment. Bah, donc, mes idées ont changé, n'ont pas changé, ça dépend comment on voit. En ce qui concerne ma profession, bah, j'ai été directeur de recherche au CNRS, j'ai été euh, directeur de la coopération entre euh, la France et les pays d'Asie du Sud et l'Inde dans le domaine des sciences sociales, à la Maison des sciences de l'homme. Et puis euh, là, aujourd'hui, je me retrouve euh, euh, professeur euh, ad honorem à l'université de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que je vis en Espagne. Alors, quand voilà. il m'a dit ça, euh, Max, j'ai trouvé que c'était très chic. Hein pro, pro, procé, euh, professeur honorable. Euh, Honor, à ad honorem. Ad oui. honorem, je dis honorable. Pour ceux qui ne sont pas la, latinistes, c'est euh, un site à vie. C'est-à-dire que sur ma tombe, on pourra marquer euh, ad honorem. On ne peut pas le retirer. Ah ben je crois que moi je suis avocat honoraire aussi, euh, mais on doit pouvoir me le retirer, c'est possible, mais je m'en foutrais, ça ça me poserait d'ailleurs bon, aucun, aucun problème. Mais c'est important, il faut savoir quelle est la décoration qu'on qu veut retenir. Pour sa pierre tombale, ce n'est pas la peine de l'encombrer. Moi, je, je reviens, et ça nous éloigne un petit peu de l'Asie une seconde, à Jacques Chambon-Delmas, qui avait à peu près tout fait. Il était maire de Bordeaux, président de l'Assemblée nationale, premier ministre, etc., etc., mais je ne sais combien de fois. Et sur sa pierre tombale, il s'est contenté de mettre compagnon de la libération, mmh, qui était qui bien, était la décoration hein. la plus chic qu'il soit sûr. possible d'avoir. Donc euh, voilà. Alors j'ai demandé à, à Max euh, de nous de nous aider à mieux comprendre euh, la Chine. Euh, la Chine, comme par hasard, Mende. ce lapsus révèle beaucoup de choses. Euh, de nous aider à comprendre l'Inde, parce que j'ai le sentiment que aujourd'hui, dans ce monde qui change, dans cet affrontement Nord-Sud Commodité de langage, hein je suis clair. Commodité de langage dans cette contradiction, euh, unipolarité, euh, multipolarité. Euh, on voit bien la Chine, évidemment, qui est le, 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 la grande peur euh, des États-Unis. On voit bien la Russie aujourd'hui. Euh, on a, on a l'Afrique du Sud et le Brésil qui sont plus proches de nous pour tout un tas de raisons. Euh, mais on connaît mal l'Inde. Euh, et pourtant, c'est un mastodonte. C'est un mastodonte. C'est un mastodonte. Euh, euh, démographique, euh, politique, économique et désormais géostratégique. Et lorsqu'on pense au BRICS, dont il est un des membres fondateurs, eh bien, on a tendance un peu à oublier cette puissance. Alors voilà, Donc, euh, euh, mon cher Max, la première question que je voudrais te, te poser, c'est de peut-être re revenir un petit peu sur ce qu'est ce pays euh, en tant que pays, hein, géographiquement, démographiquement, euh, politiquement aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que l'Inde L'Inde du 21e siècle. L'Inde du XXIe siècle, c'est un immense pays. Pendant, on peut dire ça comme ça, pendant 250 millions d'années, ça a été un continent. Et puis il a fait bang contre la plaque euro-asiatique et l'Himalaya est né. Voilà. Donc c'est un comportement qui a ses propres morphologies. Il est très divers, il est très diversifié, puis il a une, une barrière montagneuse qui qu l'abstrait qu un peu du reste du continent euro-asiatique. C'est peut-être pour ça qu'on en parle un peu moins. Il est bordé évidemment de mer, puisque c'est un pays très maritime dans, dans l'océan Indien. C'est un très très grand pays depuis très longtemps avec une très très grande culture. Alors tout de suite je vais le dire, parce que ça, ça, moi ça m'ennuie toujours à chaque fois qu'on le dit, c'est que nos racines sont gréco-romaines, c'est que la démocratie est née en Grèce, eh bien, oui, mais avant la Grèce et, 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 et la Rome, antique, il y avait, il y avait ce qu'il y avait en Inde, c'est-à-dire une langue. Euh, des, une langue indo-européenne euh, dont il est resté le sanskrit qui est très proche du hindi et quand je dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 c'est quasiment du sanskrit quand je dis les rites religieux et eh bien je, le mot rite j'emploie un mot euh, hindou qui est un mot sanskrit et le rite c'est tout simplement euh, ce qui permet de lier euh, le, le, le monde des dieux et le monde des hommes donc c'est le rite, c'est ça, c'est le rituel c'est le rapport entre les hommes du monde et les hommes de dieu et le, le, le ciel et la terre, c'est quelque chose de très puissant et par conséquent le, le français, l'espagnol l'italien, le latin euh, tout ça viennent, viennent d'une même langue d'une même racine au départ, indo-européenne auquel appartient tout le groupe des, landes, des langues du nord de l'Inde, donc on est un pays qui est un, un, véritablement indo-européen de ce point de vue là il faut le signaler tout de suite. Moi, pour moi, la démocratie, elle n'est pas en Grèce. Elle, il y a des textes qui sont des réflexions sur la démocratie qui sont beaucoup plus vieux et qui, et qui viennent d'un monde qui n'est pas grec, mais que les, les Grecs ont rencontré. Alors dis-moi, tu es donc en désaccord avec Éric Zemmour parce qu'Éric Zemmour, euh, dans son premier meeting de lancement de la campagne des élections européennes, il a fait un discours total, tout à fait grotesque, mais dans lequel, et sous les ovations, il a dit, voilà, euh, l'histoire a commencé euh, en, avec Platon et Aristote, et euh, grâce à l'Europe, euh, l'homme le, le, euh, a accédé à l'humanité, il est devenu adulte, l'humanité est devenue adulte, ce qui est une pure et simple monstruosité, mais malheureusement... C'est quelque chose en ce moment en particulier, face dans le conflit vis-à-vis -vis de la Russie, le conflit au Moyen-Orient, ce sont des idées qui reviennent. C'est très important de rappeler ce que tu viens de faire. Oui, Nous sommes idée, des indo-européens. C'est une idée totalement absurde. Toutes les langues européennes sont des langues indo-européennes sauf trois. Le finnois, le basque et le hongrois, dont on ne sait pas exactement d'où ça vient. Mais en et revanche... Mais en revanche, toutes les autres sont indo-européennes. Et quand moi, je parle un peu le hindi, quand je parle le hindi, évidemment, il y a énormément de racines qui sont des racines que, que je retrouve en, en, dans le français. Par exemple, le dieu Vishnu, qui est le dieu, le dieu de la, à l'origine, le dieu agraire, le dieu du village. Ben, village, ça vient de Vishnu. V-I, c'est tout simplement ça. Voisin, Vecini, Vecinidas, en espagnol. C'est une racine très profonde, ville. Villa, ben ça vient de Vishnu. Donc on a et ça c'est Du qui le donne, sont des grands des grands chercheurs. C'est pour ça que euh, un type comme Zemmour connaît pas ça parce que oh c'est pas que moi je suis spécialiste dans ça, mais enfin j'ai quand même lu un certain nombre d'auteurs, dont, dont Du dont Georges Du français qui est extraordinaire et c'est lui qui nous a appris tout ça. Donc derrière la Grèce, derrière Rome, il y a également ce qu'on pourrait appeler l'Inde aujourd'hui, mais qui n'était pas l'Inde à l'époque. Elle n'était même pas située exactement au même endroit. Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut dire que l'Inde a connu euh, comme euh, une autre immense civilisation euh, Moi, quand j'étais en Inde et quand j'ai été euh, en Chine, j'ai eu un peu le même choc, c'est-à-dire être confronté à une civilisation puissante, mais autre, différente de la mienne. Est-ce qu'on peut dire, en ce qui concerne l'Inde, que comme la Chine euh, au XIXe siècle, au siècle de la honte, euh, pour elle, euh, dans les deux siècles, 18e et, euh, et surtout 19e, euh, l'Inde a connu, avec la euh, colonisation et la domination britannique, a connu son, son entre guillemets, siècle de la honte, ou en tout cas son, son recul dans l'histoire avant de reprendre sa marche en avant. Alors oui, il y a eu un recul. Il y a eu un recul dans la mesure où la colonisation britannique a énormément détruit et notamment détruit, détruit le monde agricole de façon terrible. C'est-à-dire que quand l'Inde devient indépendante en 1947, le monde rural est totalement endetté, ce qui n'était pas du tout quand les, quand, les, quand les Anglais sont arrivés. Ils l'ont pillé. Ils ont pillé systématiquement ce pays, et avec violence. Et on peut comparer un peu l'histoire chinoise à l'histoire indienne, c'est que la ville de New Delhi a été saccagée, comme l'a été Pékin. Saccagé en 1857 de façon terrible. C'était une, une, une des plus belles villes du monde à l'époque, pleine de palais. Il ne reste rien, quasiment rien. Ça, ça a été cassé. Donc, on a, on a, on a une violence qui s'est exprimée en, 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 en Inde qui est très forte. En même temps, il y a une grande différence. C'est que d'abord, c'était des Anglais qui sont arrivés en, 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 en Inde et les Anglais sont des Anglais, ce ne sont pas des Français. Et deuxièmement, euh, les, 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 les Indiens, qui ne sont pas les Chinois, ce sont des Indiens, ont essayé de prendre aux Anglais ce qu'ils pouvaient utiliser des Anglais pour les retourner contre les Anglais. Et ça, ils font du judo. Les, les Indiens savent très bien faire du judo. On utilise ce qu'on nous apporte, même si c'est contre nous, on l'utilise et on le retourne contre celui qui nous l'apporte. Et l'exemple le plus extraordinaire, c'est l'anglais. cest que l'anglais qui est venu dans les malles dans de l'armée britannique... L'anglais a été imposé en Inde de façon extrêmement violente à partir de 1835 par un type qui est Marcolay, qui a dit qu'il va falloir qu'une couche de gens éduqués apprennent l'anglais pour transmettre nos ordres au peuple. Donc on peut pas, on peut pas faire plus violent. Et ben du, cette couche éduquée qui existait, s'est mise à l'anglais et l'a tellement appris que finalement il donne des leçons aux Anglais maintenant. Il y, a très, il y a très peu de temps, je voyais dans une conférence de presse le ministre des Affaires étrangères indien, qui est un des grands ministres des Affaires étrangères du monde. Et ce ministre des Affaires étrangères, on lui posait la question, et, et, et si, si les Américains, euh, papa, venaient en Inde, qu'est-ce qu'on qu pourrait leur apprendre Il a répondu, à ah bel anglais, à parler anglais. Parce que les Indiens sont évidemment très fiers d'avoir parlé l'anglais. Et moi, mon propre expérience c'est que j'ai été en, en partie éduqué en Inde au niveau des études supérieures. Comment dire, j'ai appris l'anglais en Inde. Je l app... Et c'est quand je suis allé en Angleterre que j'ai appris qu'il y avait aussi des gens qui parlaient anglais, mais avec un accent différent. Et l'anglais est une langue de l'Inde. Alors il y a un type qui, est évidemment, est devenu le plus fort des artistes et des, et des écrivains dans ce domaine, c'est Saman Rojdi. C'est lui qui a fait euh, de, de l'anglais une langue indienne absolument extraordinaire, à tel point que tous les écrivains du monde... En anglais, sont obligés d'écrire un peu comme Samandrogi pour écrire bien anglais. Donc on a, on a, on a, on a ce, ce, ce phénomène en Inde qui est un phénomène très différent de ce qui s'est passé en Chine, où on a euh, un pays qui a été euh, dans des conditions spécifiques données. Je ne dis pas que les Indiens soient plus intelligents que n'importe quel autre peuple du monde. Les, les Indiens ont été capables de faire du judo, utiliser le mouvement, le retourner et le prendre à, à, leur, prendre à, leur, à leur compte. Et ça, c'est une des caractéristiques de ce pays pour moi. Alors aujourd'hui, bon, après la décolonisation, à la fin des années 40, euh, la disparition de l'Empire des Indes, euh, les Indes, alors il y a eu la partition, on ne va pas en parler aujourd'hui, la partition avec le Pakistan, euh, les guerres de religion, mais euh, ils ont installé euh, une... Entre guillemets, j'utilise le, le, les guillemets, non pas pour la décrier, mais ils ont installé un système démocratique avec élection, un système fédéral, je crois, euh, et donc, parce que c'est un très, très grand pays, et euh, ils ont euh, mis en place euh, un fonctionnement institutionnel qui pouvait déboucher sur des alternances. Euh, c'est pour ça qu'on disait la grande démocratie indienne, et je rappelle, euh, tu me diras si je me trompe, mais je crois qu'on a des élections législatives bientôt. Oui, 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 bientôt, oui, ah. oui. Et en, en, en général, logiquement, dans la Constitution indienne, qui est, de, qui est respectée, il y, a, il y a des élections tous les cinq ans, au niveau voilà. national. Et dans chaque État de l'Inde, il y a aussi des élections tous les cinq ans qui ne coïncident pas en même temps. Si bien que dans ce pays, on voit tout le temps. <laughs> D'accord. Bon, donc, alors, euh, le parti du Congrès euh, a dominé pendant très longtemps, avec Nehru, avec Indira Gandhi, que j'ai eu le privilège de, de, de rencontrer et de connaître. Euh, pour la petite anecdote... Mais c'est un souvenir à l'époque qu'on se fréquentait. Enfin, on se fréquentait politiquement 100 ans, et on était déjà, déjà amis. Il euh, y avait eu une réception et, euh, on, où j'étais invité. Et je suis rentré. Il y avait ce petit bout de bonne femme qui parlait parfaitement bien le français d'ailleurs, hein, et sûr, on serrait la main. Elle, main et, elle avait et le photographe, le photographe prenait les photos. Donc j'étais tout content. J'allais avoir une photo. J'avais une trentaine d'années. Une photo où je serrais la main d'Indira Gandhi. Et ce con, il a changé la pellicule à ce moment-là. Alors j'ai gardé autant que possible la main d'Indira Gandhi qui a fini par la retirer en disant ⁇ mais que, que, que me veut ce jeune homme ?⁇ Bon, donc il euh, y a eu... Euh, pas mal, de, pas mal de, de péripéties avec des assassinats de premiers ministres. Euh, et donc, euh, en 2014, il y a eu un changement très important avec l'arrivée au pouvoir de, euh, de Modi. Alors, peut-être avant de, 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 de parler de, de, de Modi et de, de, du pouvoir qu'il a mis en place, euh, peut-être peux-tu nous dire un petit mot de euh, la puissance actuelle de l'Inde, qui est là aussi peu connue. La puissance de l'Inde, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'abord sa puissance démographique. C'est le, le principal pays démographique du monde, le plus peuplé, plus d'un milliard et demi d'habitants. Enfin, c'est absolument énorme. Et moi j'ajouterais, euh, indépendamment des politiques qui la dirigent, une population qui a euh, relativement enfin, qui a beaucoup plus confiance en son avenir que, que, que ceux qui étaient ses parents ou ses grands-parents. C'est quelque chose qui tranche avec la France. Hein. C'est qu'avec la France, il y a beaucoup de gens qui disent Oh là là, ça va être encore plus dur, et pour nos enfants, ça va être plus dur que pour nous. Alors qu'en Inde, on a l'impression, et c'est ce que les gens disent, que pour nos petits-enfants, ça va être plus facile. Donc on a, et, et même s'il y a des diversités qui, même si, qui se creusent, même s'il y a beaucoup de pauvreté, c'est le sentiment euh, qui est un peu général dans ce pays c'est qu'on aborde avec plus d'optimisme l'avenir. Donc, il y, a, il y a quelque chose de très important à noter là-dessus, sur, sur la démographie. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que tu veux en, en 1947, euh, il, y a, il y a sept enfants par couple, environ. Oui, d'accord, mais sur sept enfants par couple, il y en a cinq qui meurent. Alors qu'aujourd'hui, il y en a deux et demi, euh, plus que deux et demi, il y a une très grande réduction de la natalité, seulement ils vivent. Donc on a, on, a, on a quelque chose qui est quand même un gros, un gros changement du point de vue démographique. Et l'Inde aborde sa démographie avec confiance. C'est-à-dire qu'elle n'a pas peur d'être trop peuplée. Au contraire, elle estime que très peuplée, elle a un réservoir de consommateurs extrêmement important qui lui permet de lancer son économie, son industrie, etc. Alors, ça dépend comment on fait, comment on voit, etc. Moi, je, je ne défends pas un gouvernement, là, ni une ligne politique. Je dis simplement que du point de vue objectif, la démographie indienne est considérée en Inde comme une, une question extrêmement positive et qui la rend optimiste. Voilà. C'est lu... la, la première donnée objective que je vois moi, dans ce pays. C'est -ce que... un pays jeune, voilà. un pays d'avenir. C'est un, un, un pays où, en plus, comme on, on a évidemment l'habitude de voter, l'habitude de discuter, l'habitude de parler, c'est un pays où, où, où c'est très difficile de dire à un Indien tais-toi, hein, par certains côtés. Il y a toujours quelque chose à dire. Donc, on a, on a quelque chose de, de vibrant, ce pays. Du nord au sud, c'est très différent. Il y a une très grande diversité. Il y a des diversités de cuisine, des diversités de, de tout, des diversités d'habits. Mais et en, il y a en même temps une certaine unité. L'unité, c'est quand même 80% de la population est hindoue. Quand même le souligner, parce que c'est ça qui explique l'arrivée au pouvoir de Modi, hein, puisqu'il compte sur l'hindouisme pour, 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 pour développer son pouvoir et sa, et sa puissance, ça pose un problème. Dans un pays qui est très divers, la manière de, 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 de défendre l'unité, c'est de reconnaître la diversité. C'est un pays où la dialectique de l'université et de l'unité est très importante. On, on la mesure assez mal en France, on la mesure où on a une tradition qui est assez centralisatrice. Mais dans un pays comme l'Espagne, par exemple, la, la grande dialectique de l'Espagne, c'est maintenir l'unité de l'Espagne en respectant la diversité. Si on ne permet pas aux Catalans de s'exprimer en Catalan, ben, ils vont partir, et ainsi de suite. L'Inde, c'est la même chose, mais puissance 100. Il y, a, il y a quand même plus d'une vingtaine de langues qui sont officielles, il y a énormément de, de, de gens qui ont des pratiques différentes, il y a énormément de diversité, il y a énormément de diversité religieuse, 80% d'hindous, mais euh, la minorité musulmane, moi je dis comme ça, à peu près 15% pour fixer les esprits, c'est quand même plus de 250 millions d'habitants. 250 millions d'habitants, on appelle ça une minorité, évidemment, mais... mais... Quelle minorité Donc, qu'est-ce qu'on fait Comment on aménage cette, cette diversité pour maintenir l'unité du pays Alors, si on la centralise trop, si on fait trop de l'hindouisme au détriment d'autres religions, alors on peut en effet se trouver devant un gros problème. C'est possible. Moi, je ne sais pas comment ça va se terminer, cette affaire. Mais aujourd'hui, on a un gouvernement qui, qui entend forger... Tout ce qui tourne autour de cet optimisme, de cette nation nouvelle qui se crée, le colonialisme, c'est parti, on veut mettre, maintenant être indépendant, jouer un rôle égal à tout le monde dans l'Inde. Donc lui, il, 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 il conforte ce sentiment en s'appuyant sur l'hindouisme. Il peut y avoir, en réalité, un, un effet boomerang un jour à l'autre, mais je ne sais pas. Ce que je note, en revanche, c'est que les hindous arrivent à capter ça. Pour le Parti nationaliste arrive à capter ça. Et que ce n'est pas un parti nationaliste doux. Il hein. y, 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 y a dans ce parti des, des organisations qu'on peut appeler néo-fascistes, hein, qui, étaient, qui défilaient avec des, des armes. Alors c'est vrai que c'est comme ils n'avaient pas le droit d'avoir de vraies armes, ils, ils, ils les avaient fait en, en, en bois. Bon, c'est des fusils de bois. Donc c'est quand même plus sympa un fusil de bois <laughs> qu'une Kalachnikov qui peut tirer quand on, quand, on, quand on défile dans la rue. Mais enfin, quand même. C est, c est, ce sont des gens qui sont durs, hein, qui peuvent être très durs, hein, et qui sont durs contre les musulmans. Ça pose un gros problème, et qui sont aussi durs contre la minorité chrétienne. Donc il y a, il y a une politique indienne qui s'est durcie autour de, de la majorité de, de, de la population qui est hindoue, mais il faut reconnaître aussi que dans ce pays, dans son ensemble, comme il y a de l'avant et qu'on veut aller de l'avant, cette captation de l'avant par un parti hindou qui peut poser des problèmes, en même temps, répond. A pas mal de, de, a pas mal de, 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 de sentiments. C'est que ce n'est pas seulement une, une greffe imposée du haut, ce pouvoir hindou. C'est aussi euh, quelque chose qui, qui vient d'une aspiration qui sont arrivés à, à, à capter. Alors, Alors c'est vrai que. Oui, pardon. Excuse-moi, je t'interromps, mais c'est tout à fait passionnant, parce que là, euh, tu, tu viens de poser le problème de la capacité d'un mouvement politique, idéologique voire religieux, a euh, capté à un moment la dynamique d'un pays, la dynamique d'une région. Euh, le, le, le nombre de fois où euh, des, des, des mouvements de libération nationaux ou des partis communistes, je pense au Vietnam par exemple, ont été capables d'être les porteurs, ont été capables d'être le porteur du combat de libération nationale, ça a fonctionné. Ça a fonctionné et ils sont devenus effectivement ceux vers lesquels on se tournait. Donc ce que tu, ce que tu euh, nous dis... L'Inde est un pays dynamique, on va parler un peu d'économie, euh, jeune, parce que la moyenne d'âge, je crois, est de 10 ans inférieure à celle de la Chine, par exemple. Hein, oui, oui, est oui, pas oui rien. il est plus jeune, beaucoup plus jeune. Euh, oui. hein, C'est pas rien. Et donc, euh, que Modi, qui a mis en place, semble-t-il, un, un régime autoritaire, sinon très autoritaire, euh, euh, fondé sur l'hindouisme, avec les risques que tu pointes, mais il a peut-être capté. Cette dynamique, euh, cette aspiration de la nation indienne à euh, avancer et avancer peut-être avancer vite. Hein, pour l'instant, ils il la captent avec évidemment euh, des, des politiques, euh, disons, l'expression euh, journalistique, universitaire, de publication, etc. adéquates. Hein Donc c'est pas, il n'y va pas demain, il n'y va pas demain morte euh, Mais en même temps, oui, c'est vrai, ils arrivent à le, à le capter. Tout à fait. Fait... Et moi, en tant qu'observateur de, de, ce, de ce pays... Euh, parce que si j'étais indien, je, je serais contre maudit, hein, vraiment. Hein. Mais en tant qu'observateur étranger, j'ai la chance d'être français. Par certains côtés, c'est comme sur d'autres conflits du monde. Ma foi, on, je ne veux pas non plus prendre parti fatalement pour un ou pour l'autre. J'essaie de comprendre. Et s'il peut vivre en paix, ben c'est bien. Et si je peux intervenir en faveur de la paix, c'est bien. Donc en ce qui concerne moi, je ne peux pas intervenir du tout dans la politique intérieure de l'Inde et j'en ai pas du tout envie. Mais j'essaie de comprendre la force de ce, de ce parti que moi je ne soutiens pas, mais qui est une force réelle et qui correspond à une dynamique en effet. Alors sur cette dynamique, parle-nous un peu de l'économie, parce que j'ai un souvenir. Hein, euh, les, les gens qui nous regardent, c'est euh, des retrouvailles un petit peu, hein, qu'on fait, Max. Bon, oui, oui, j'ai oui, un souvenir d'une discussion, discussion et, et, et euh, c'était il y a fort longtemps. Il m'a dit, mais tu ne dois pas savoir que l'Inde est la dixième puissance industrielle du monde à l'époque l'occident régnait euh, sur tout cela et ça m'avait je me rappelle euh, beaucoup surpris alors après je m'étais penché sur, euh, sur les données j'avais lu un peu etc et, et ça m'avait euh, ça m'avait frappé cette cette remarque et je pense que euh, cette dimension de puissance industrielle est quelque chose de réel aujourd'hui et peut-être en train d'augmenter alors, euh, une, puissance, oui, une puissance économique, je dirais, une puissance économique, parce qu'elle oui. a des faiblesses dans le domaine industriel, mais elle a, elle a, et notamment par rapport à la Chine, hein, où, quand même, elle, elle importe beaucoup de, de, de produits manufacturés chinois alors qu'elle n'en exporte pas. Hein. Donc, on a, on, a, on a quand même une, 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 une différence de, 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 de poids pour l'instant entre l'Inde et la Chine, notamment dans le domaine industriel. Mais disons, économiquement global, oui, elle a, elle devient la troisième puissance économique du monde, derrière les États-Unis et la Chine. Donc, on a, pour l'instant, non, elle est au sixième rang. Mais son agenda, l'agenda pour le quart du siècle à venir, c'est la troisième puissance. Elle le dit, c'est l'agenda du, du, du Premier ministre. Et on a, on a une, une croissance économique qui est forte, 7%, encore une fois, avec beaucoup de disparités. On a, on a, on a, on a relativement peu de dettes, beaucoup moins qu'en que, qu France, par exemple. On a une économie qui qui est capable, en effet, de produire des choses très intéressantes dans le monde d'aujourd'hui. Ça donne, encore une fois, les Indiens, maintenant, sont beaucoup plus calmes qu'avant. La période avec le colonialisme, maintenant, elle est partie. Eux, ils sont là et ils considèrent que c'est une puissance globale. C'est comme ça que définit d'ailleurs l'Inde, comme le ministre des Affaires étrangères, Subramaniam, dit que son pays est une puissance globale, et, et, et donc puisque c'est une puissance globale, elle doit faire attention aux autres en tant que puissance globale, mais les autres doivent, faire, doivent aussi faire attention à elle en tant que puissance globale. Donc on a, on a un pays maintenant qui est euh, très, euh, très concret, très pragmatique, qui d'ailleurs défend son pragmatisme, même en ce qui concerne les, les équipes hindoues au pouvoir, sur la façon dont l'hindouisme hindou, se pense, parce que l'hindouisme, on dit que c'est très spiritualiste, mais c'est aussi très pragmatique, c'est une civilisation où euh, ce, ce qui te définit, c'est ce que tu fais. C'est ce que je fais qui fait que je suis ça. Je suis un, 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 un bon voleur parce que je vole bien. Et c'est ça qui fait que je suis bien. Je suis un bon, avoc un bon avocat parce que je, je sais bien faire mon travail. Je suis un bon flic parce que je suis un, un bon flic. Finalement, il n'y a pas plus d'assassinats de, de, ou de meurtres en Inde qu'ailleurs parce qu'un bon voleur rencontre un bon gendarme, qui rencontre un bon juge, qui finalement rencontre un bon guillotineur. Donc finalement, il n'y a ni plus ni moins de, 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 de gens en prison en, en Inde qu'ailleurs. Il n'y a, 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 a pas plus ou moins de désordre. Bien, mais la, la, la façon d'arriver à l'équilibre de la société est, est, est assez pragmatique, et même très pragmatique. C'est un monde sans confession. C est, c est, c est... En Inde, on ne peut, peut pas dire Ah, je l'ai fait, mais je voulais pas le faire. Alors, comme on dit, nous ici, faute reconnue, faute à demi pardonnée. Alors, ça, ça n'a aucun sens en Inde. Si tu fais un acte qui est mauvais par rapport à ce que tu dois faire, la seule façon de corriger, c'est de faire un autre acte. Donc, tout est dans l'acte, tout est dans le rite. Il y avait Vernon, d'ailleurs, qui disait très bien que le, le, la Grèce antique, c'était le monde du mythe et que l'Inde antique, c'était le monde du rite. Le rite, c'est ce que je fais. Et on a, on a un ministre des Affaires étrangères qui est capable de, 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 de dire ce que je viens de dire à sa façon et pour expliquer sa politique étrangère, et qui inscrit le, le, la politique étrangère de l'Inde dans le domaine du pragmatique, du réalisme, compte tenu de ce qu'est l'Inde et de ce qu'est le monde. On lui a posé un jour la question, il y a très peu de temps, il y a, il y a quelques mois, on lui dit euh, Quelles sont les limites de vos rapprochements avec les États-Unis Et lui, il dit Mais moi, je ne raisonne pas en termes de limites. I am no limites. Moi, je réserve en termes de possibilités. Quelles sont les possibilités que l'on peut avoir avec eux, compte tenu de ce qu'ils sont, compte tenu, compte tenu de ce que nous sommes Alors, ces possibilités peuvent être immenses elles n'ont pas de limites. Ce sont des possibilités ce ne sont pas des limites. Et ça, c'est une façon euh, très, 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 peut-être un peu abstraite que j'ai d'expliquer de, de, euh, les choses, mais c'est une façon de faire de l'Inde aujourd'hui. Ce n'est pas une façon morale. Ce pas une façon morale. C'est une façon dictée sur les rapports de force et ce que, sont, ce que nous sommes. Et, et les Indiens disent arrêtez de nous faire la morale parce que vous êtes aussi hypocrite que nous. Voilà. Largement, Alors, largement en, gros, en, en ce, ce moment. moment. Mais, en ce non, moment. Je, je, je prends l'exemple sur le pétrole. Excuse-moi si je peux développer. Sur, oui, sur le oui, pétrole. Parce qu'on accuse beaucoup l'Inde la, 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 de tourner les sanctions euh, en, en achetant du pétrole euh, brut au, 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 aux Russes et puis de le raffiner et de, et de nous le revendre. Mais exactement, c'est ce qu'ils font. Exactement. Ils disent Mais nous, on a le droit de le faire. Vous, qu'est-ce que vous faites, vous Borrell, il n'y a pas très longtemps, ministre des Affaires étrangères, guillemets de, de, de l'Europe a dit euh, nous notre prospérité elle était fondée sur un pétrole pas cher qu'on achetait aux Russes et des produits qu'on vendait aux Chinois bien maintenant et qu'on achetait aux Chinois c'était ça notre prospérité et c'est pour ça que notre population arrivait à maintenir un niveau de vie correct avec des, des salaires qui montaient pas trop mais dit nous nous sommes confrontés à la même chose il nous faut bien du pétrole nous allons quand même, vous allez quand même pas nous obliger euh, de ne pas acheter de pétrole parce que vous avez une guerre en Ukraine L'Ukraine, c'est votre guerre à vous, mais ce n'est pas notre guerre à nous. L'Ukraine, ce n'est pas le centre du monde. Et nos guerres à nous, elles ne vous intéressent pas. Alors pourquoi voulez-vous que nous nous intéressions à vos guerres autant que vous, vous ne nous intéressez pas aux autres Donc c'est comme ça qu'elle qu raisonne. Et elle dit oui, bien sûr, on achète du, 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 du brut en, 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 en Russie, au prix d'ailleurs que, que vous nous obligez de. D'acheter, parce que si on l'achète au-delà du prix que, que vous avez fixé, on est sanctionné. Donc on l'achète à ce prix-là, mais on le raffine, et une fois raffiné, ce pétrole n'est pas russe. Alors là, Borel votre s'est asphyxié en disant Mais quoi, c'est un détournement des. des, 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 des... C'est pas possible de dire comme ça. Euh, vous profitez euh, de, 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 des choses, vous profitez de, ce que, de notre guerre pour essayer de nous refiler un, un produit qui, qui vous, uh, qui vous, qui vous enrichit. Et Borel a dit non, mais attendez, dans les règles de l'Union européenne, c'est possible. Et donc il sort le décret, l'article qui dit que c'est possible. Et surtout, il vient d'être confirmé par un des, un des responsables du département d'État américain, qui a dit de façon absolument littérale en Inde il y a, il y a, très, il y a quelques jours, le pétrole brut russe, une fois qu'il est raffiné, n'est plus russe. C'est tout. Eh bien, lundi, c'est tout à fait ce qu'on pense. C'est tout à fait ce qu'on pense. On utilise le monde tel qu'il est pour nous servir les intérêts de notre population. C'est comme ça qu'ils présentent en politique. C'est comme ça qu'ils présentent leur rôle dans le monde, avec pragmatisme, sans hypocrisie, en disant on, on doit on doit compter sur nous. On n'est pas un petit pays désormais. On n'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui qui ne compte pas, vous voyez. Et, et c'est comme ça qu'elle se positionne. Alors c'est vrai que cette façon de se positionner. Je crois qu'elle répond à pas mal d'aspirations patriotiques euh, indiennes à, euh, à un moment de l'histoire où le colonialisme maintenant s'est éloigné et où l'Inde décide de jouer le rôle qu'elle entend compte tenu de ce qu'elle est. Alors, ouais, c'est comme viens ça que je ce pays. Hein. Alors, je viens d'entendre de, deux choses qui me semblent très, très importantes. Euh, Max, merci. Euh, un, l'Inde se vit comme un pays, une puissance globale. Ça c'est oui. très important. Une, elle donc insérer C'est ce, ce que dit son ministre, son voilà. ministre des Affaires étrangères. On, on va alors, parler que... de, 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 du ministre des Affaires étrangères qui me semble-t-il un personnage extrêmement important. Euh, et donc euh, la puissance globale. Deuxièmement, qui défend ses intérêts, c'est-à-dire euh, et de façon pragmatique. Alors, ça renvoie peut-être à ce que disait euh, euh, Richelieu. Euh, euh, Qu'est-ce que la politique La politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Donc, effectivement, nous n'avons pas de limite. Mais si ça, c'est une très bonne définition qu'un Indien peut tout à fait comprendre. Parfaitement. <laughs> voilà, donc j'y ai pensé en t'entendant. Cette, cette, cette définition est extraordinaire. Mais, mais voilà, donc nous avons une puissance. Tu, veux, tu, me, la, tu, me, la, tu me la rappelles, s'il te plaît parce que... Je te la rappelle. La politique, c'est de rendre possible ce qui est nécessaire. Mmh. Hein mmh. Quatre mmh. mots, cinq mots, et, et tout est dit. Donc, Et tu sais, tu, sais euh, comment, tu sais comment Karl Marx défend la liberté Non, vas-y. C'est la nécessité bien comprise. Ben voilà. C'est la même chose. On, 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 retrouve, on, retrouve, on retrouve des idées de base. Hein oui, tout à Quand fait. on comprend ce qui est nécessaire, alors dans ce cadre-là, on est libre. Après, à chacun de voir ce qui est nécessaire, bien sûr. Absolument. Et donc, euh, voilà pour ce qui concerne donc, euh, la façon dont ce pays euh, se vit. Euh, euh, le, le, je reviens un petit peu sur l'économie. Euh, donc, euh, puissance industrielle, mais effectivement euh, moins puissante sur le plan industriel que la Chine. Et là arrive une. Sacrée question. C'est que la Chine est à un tournant, incontestablement, semble-t-il. Hein Moi, si, si j'en je, crois ce que je lis, euh, de ce que je peux trouver sur le Global Times euh, le matin, hein, qui, qui est, qui est, qui est euh, l'organe, euh, je pense, du pouvoir chinois euh, en langue anglaise sur Internet. Et donc, euh, le, le, la Chine, donc société de moyenne aisance en construction, euh, va plus se retourner sur son marché intérieur et de ce point de vue, en tant qu'atelier du monde, va devenir moins intéressante pour euh, pour l'Occident. Euh... Les Chinois, les Américains, pardon, ont peur de la Chine, ont peur de sa puissance qui monte. Euh, Est-ce qu'il ne peut pas y avoir euh, un, je veux dire, un mouvement, un basculement sûrement pas, mais un mouvement qui amènerait peut-être euh, l'Inde à se transformer ou à vouloir suppléer la Chine en tant qu'atelier du monde Je ne crois pas. D'abord, je ne crois pas que pour l'instant elle ait encore la, la, la force. Donc ils ne vont, vont pas faire comme ça. Je ne crois pas qu'ils vont faire comme ça. Pour moi, du point de vue, du point de, vue de, 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 de ma façon de voir, la Chine est forte parce qu'elle a fait des réformes agraires. C'est ça la force de la Chine. C'est qu'en 1949, elle se lance dans un programme de réforme agraire communiste. La terre à celui qui la travaille, extrêmement important. Alors, on connaît les violences qu'il y a eu au cours de ces... De ces, de ces et les vicissitudes qui a, qui, a eu, qui, a eu, qui a eu lieu, mais fondamentalement, les réformes agraires ont permis à la Chine de donner à lire et à écrire à sa population. C'est-à-dire que toute la population chinoise a su lire et écrire beaucoup bien avant la population indienne, qui, elle, n'a pas connu ces réformes agraires. Parce que le pouvoir qui s'est instauré... En, en Inde, c'était un pouvoir plutôt social-démocrate à l'indienne, Néro, Ce n'étaient pas des gens qui s'occupaient vraiment des pauvres, c'était des gens qui s'occupaient plutôt des élites cultivées, progressistes, couches moyenne, intellectuelles, urbaines, intéressantes, oui. Mais au fond du fond, ça n'a pas beaucoup changé. Donc on a, on a une population qui est, qui est restée en, en retard, on a un problème d'éducation qui, qui, est, qui est grave en Inde. Alors, il a été corrigé dans, dans certains États, il se corrige peu à peu, mais c'est lent. Et l'Inde n'est pas encore arrivée, je crois, à un moment, à un niveau de formation tel qu'elle puisse concurrencer euh, dans le domaine global euh, la puissance électronique ou la puissance électrique ou la puissance euh, industrielle pointue de la Chine, sauf dans certains secteurs où elle peut le faire aussi car c'est vrai qu'elle a aussi de très grands ingénieurs et une très, une très grosse capacité de, de, de frappe dans, dans, dans des domaines pointus. Mais on en est encore assez loin. Je crois que pour qu'elle y arrive, il faudrait que le niveau général du peuple augmente d'un cran. que en bas, ça augmente et que venant du bas, les autres augmentent un peu et que là, on puisse en effet non seulement consommer plus, mais produire plus. Je pense qu'entre la Chine et l'Inde... L'égalité n'est pas encore trouvée avant une vingtaine d'années. Voilà, ce moi, c'est ce que je pense. Alors, entre la Chine et l'Inde, voilà la phrase qui m'amène à, à une autre question. Euh, dans le triangle Russie-Chine-Inde, qui est à la manœuvre, qu'on le, qu le veuille ou non, dans la transformation du monde et dans le développement des BRICS, euh, les rapports sont historiquement assez compliqués quand même. Bon, il y a eu les rapports Russie-Chine euh, qui euh, se sont transformés avec ce qui commence à ressembler à une alliance, moi j'ai toujours dit... J'ai compris que les choses pouvaient tourner à un affrontement euh, en février 2022 quand j'ai lu la déclaration conjointe qui avait été rédigée et signée par euh, Poutine et par Xi Jinping, euh, euh, où il faisait une analyse du monde hein, et on voyait bien qu'on avait une alliance. Après, il y a eu le voyage de Xi à Moscou avec la fameuse phrase. Euh, cher ami, nous, euh, euh, nous assistons à un changement que le, le monde n'a pas connu depuis un siècle et ce changement, nous allons le conduire ensemble. Incontestablement, il y a aujourd'hui quelque chose qui n'est pas une alliance militaire, mais enfin, il y a quand même une grande proximité, ce qui pour des gens comme nous, mon cher Max, euh, est un peu, non pas une surprise, mais c'est un changement. Nous, on a connu euh, l'affrontement euh, Russie-Chine, donc il y a eu ce rapprochement. Et euh, moi aussi euh, comme toi, dans le passé, nous connaissions les rapports privilégiés qui existaient entre l'Union soviétique, par conséquent la Russie et l'Inde. Euh, comment ça fonctionne ce triangle aujourd'hui ben, du, 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 du point de vue indien, euh, l'Inde considère que sa relation avec la Russie est une relation durable, solide, pérenne. C'est ce que c'est ce que dit. Le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui. Il le dit partout dans tous, les, dans, tous les, dans tous les forums. On a, nous, entre l'Inde et la Russie, pas eu de haut et de bas dans nos rapports. On a toujours eu de bons rapports. Et nous tenons, comme à la prunelle de les yeux, à les garder. Donc on a, on a cette ligne-là, qui est, qui est une ligne qu'il faut, qu faut bien comprendre, parce que elle est, elle est, elle est ancienne. Comment dire euh, L'Inde, quand elle sort de la. Quand elle devient indépendante, euh, elle n'a pas beaucoup de devises, euh, il faut qu'elle se développe. Elle a un secteur industriel privé qui est très important, mais ce secteur industriel privé sait qu'il a néanmoins besoin de l'aide de l'État pour euh, devenir encore plus fort. Et donc, il a besoin d'une planification, il a besoin de sidérurgie, de métallurgie, tout ça pour allumer la mèche et faire en sorte que l'entreprise privée se développe. Parce que ce sont des capitalistes privés qui ont développé l'Inde, mais qui ont utilisé le secteur public pour se développer encore plus. Et la Russie va les aider énormément, l'URSS à l'époque. C'est que l'URSS, elle, va les aider dans le domaine industriel et de la grande entreprise hein, industrielle publique par des accords de troc. C'est comme ça que, le, que, que, que la Russie fait. C'est-à-dire qu'en gros, on vous donne tant d'ingénieurs ou tant de l'aluminium ou tant de ce que vous voulez, et vous, en contrepartie, vous nous donnez tant de chaussures ou tant de grains ou tant de je ne sais trop quoi. Donc, on ne dépense pas d'argent. On change marchandise contre marchandise. Ce qui veut dire que l'Inde n'a pas utilisé ses réserves de devises. Elle n'a jamais dépensé, dépensé de dollars avec les Russes quand les Russes commerçaient avec elle. Et ça, elle leur en garde un, 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 un sentiment, euh, disons, d'égalité et de coopération très importante, Parce que euh, les Russes étaient de bons commerçants. Euh, ils n'ont jamais fait de cadeaux aux Indiens en tant que tels. Quand ils disaient aux Indiens, vous allez nous rembourser ce qu'on nous donne, par tant de sacs de, je dis de chaussures, ce n'est pas 20 chaussures qu'ils demandaient, hein, c'est 30 ou 40. Et les, les Indiens disaient non, c'est trop. Donc il y avait des rapports qui étaient des rapports de commerce à commerce dans le cadre du troc, mais qui évitaient à l'Inde de dépenser des devises. C'est comme ça que la, la, la Russie est devenue un pays qui a eu un rôle dans le développement stratégique de l'indépendance indienne. Parce que développer de cette façon-là l'industrie sidérurgique, métallurgique, chimique lourde, etc., et sans permettre de dépenser beaucoup de, de devises, alors ça, c'était très intéressant pour un pays du tiers-monde de l'époque. Elle n'a jamais oublié ça. Et d'ailleurs, avec la Russie, quand elle discute, c'est toujours des accords de coopération quand elle parle. La coopération, c'est quelque chose de très important comme mot. Et d'ailleurs, c'est un des grands mots des BRICS. Moi, je, je dis, par exemple, pour les BRICS, parce que l'Inde joue un rôle important hein, au, sein, au sein des BRICS, mais parce qu'elle a cette, 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 cette expérience avec, avec la Russie, qui fait aussi partie des BRICS. Parce que comment, 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 les parties, comment tous les pays des BRICS peuvent-ils faire pour ne pas dépenser de dollars dans leurs échanges Moi, je reprends l'exemple très simple du troc entre l'Inde et la Russie. C'est la même chose. Alors, on fait du troc entre les uns et les autres pour que jamais on n'utilise le dollar, seulement faire du 3 à 2 c'est possible, faire du 3 à 3 c'est déjà plus compliqué, mais faire du troc à 15 ou à 16 c'est plus possible. Il faut une monnaie. Il va falloir une monnaie qui est une monnaie qu'on qu qu travaille et qu'on invente sur la base de ces commerces qui se font dans ce groupe-là ou dans ce pôle-là. Donc l'expérience indienne est extrêmement forte de ce point de vue-là. Le mot coopération est extrêmement fort. Ce qui se passe entre pas seulement la Russie mais avec l'Afrique est aussi extrêmement important. Donc on a un pays qui a une expérience et qui ne tient pas à la perdre avec ce qu'elle a eu de relations avec la Russie. Donc elle tient à de très bonnes relations avec la Russie. Avec avec entre la Russie et la Chine maintenant, c'est plus compliqué. Entre la Russie et la Chine, il y a eu euh, euh, beaucoup de, de choses en commun et aussi beaucoup de, de choses euh, euh, rudes. Moi, j ai, j ai tra... il se trouve que j'ai travaillé sur les archives diplomatiques euh, américaines concernant euh, cette question des, des rapports entre l'URSS et la Chine. Je suis allé travailler à plusieurs reprises à Washington pour ça. Bien. Et on voit bien qu'à un moment donné, Kissinger développe une alliance tacite avec la Chine contre la Russie. Le mot alliance est prononcé. Et le mot tacite est prononcé. L'Inde, elle, ne résonnera jamais en termes d'alliance. Ce n'est pas un pays qui va résonner en termes d'alliance. Elle le dit d'ailleurs explicitement. Nous ne serons alliés jamais de personne. Nous sommes suffisamment grands pour ne pas nous allier et si suffisamment petits pour que les autres n'ont pas non plus besoin d'une alliance avec nous. Donc on a, on a un pays qui, 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 qui mesure très bien les choses. Elle, l'alliance, non. L'intérêt de l'Inde, oui. Avec la Chine, ces rapports sont en train de se dégrader. Je crois que ce n'est pas la peine de, de, de se masquer les choses. Il y a eu une guerre entre, en 1962. J'ai travaillé aussi sur les archives diplomatiques de ces guerres, mais ça, on n'a pas le temps d'en parler. Mais comment dire, euh, il y a eu une guerre, puis après, ça s'est rétabli. Après 1975, ça s'est rétabli. Pour les Indiens, 1975, c'est la date où il y a eu les derniers, les derniers combats de fatalité, qu'ils disent exactement. Et après, c'est fini, on passe sur une autre période. Et puis, cette période, euh, eh bien, en gros, je dis en gros, les Chinois, ils ont pris à l'Inde ce que l'Inde euh, pensait être indienne à l'ouest, et à l'est, ben, les Indiens, ils ont, ils ont gardé ce qu'ils ont eu. Et la, la possibilité de trouver un accord sur, entre ces deux pays sur ça, elle est, elle est réelle. C'est-à-dire que ce que vous avez à l'ouest, vous le gardez, ce que nous avons à l'est, nous le gardons. Voilà. C'est dans le cas d'un conflit frontalier euh, qui, est, euh, qui est très classique. Les Chinois voulant descendre le plus possible au sud et les Indiens voulant maintenir ce qu'ils ont le plus au nord possible. Donc, tout ça, on comprend très bien. Tout ça. Mais ils avaient eu des accords sur, 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 sur la frontière à l'Est. Ce n'est pas une frontière reconnue internationalement, c'est simplement une ligne de contrôle. Une série de désaccords. Puis depuis 2020, ça se passe mal. Depuis 2020, on assiste à des concentrations de troupes chinoises et donc à des concentrations de troupes indiennes, et on a un, un maintenant quelque chose qui est qui est mauvais. Et d'après d'après le ministre des Affaires de étrangères indien, euh, on peut s'attendre à de higher tensions, c'est-à-dire des, des tensions encore plus grandes, parce que les Indiens maintenant considèrent qu'ils n'ont plus peur des Chinois. La, la peur de la Chine a longtemps été un des ressorts de la politique extérieure indienne. Comme on a peur des Chinois, on va faire ami ami avec eux. C'est encore, c'est la même chose que le judo. C'est pas, on va les casser ou on va devenir très fort. Non, on va faire ami ami avec eux pour que une fois étant amis, ils, peuvent se, trouver, ils se trouvent ils se bridés dans un certain nombre de choses et par rapport à nous, ils vont pas exprimer leur agressivité. Ben, ça pas marcher comme stratégie. Le BJP le dit d'ailleurs, il l'analyse comme ça. Hein. Moi, je le retrouve aussi dans les archives. Ça s'est posé comme ça. Hein. Excuse-moi, Max. Et, le BJP, le c'est le parti au pouvoir que... qui a succédé au Congrès. Excuse-moi, oui, c'est le, le parti nationaliste hindou d'aujourd'hui, oui. Et donc euh, là maintenant, on a on a une situation plus plus dure. Mais la grande différence avec l'époque Nehru, c'est que l'Inde est maintenant une puissance nucléaire. C'est que elle Allez, aussi peut détruire la Chine. C'est que c'est pas c'est pas ce n'est pas seulement une petite affaire, ça, que d'avoir la, la bombe nucléaire et des vecteurs qui te permettent de défendre un pays dont, dont tu as peur, ou maintenant dont tu n'as plus peur. Donc on, a, on, a, on a quelque chose de tendu actuellement entre la, la, la Chine et l'Inde. Il va falloir que ces deux pays arrivent à trouver dans le monde multipolaire d'aujourd'hui, euh, et en tant que puissance globale, alors que les États-Unis sont en train de perdre leur importance une façon de, 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 de vivre ensemble. Peut-être qu'ils vont y être aidés par le fait qu'ils appartiennent aux briques. C'est possible. Peut-être qu'ils vont être, y aidés, être aidés par rapport au fait qu'ils ont peut-être une menace un peu plus grande ailleurs qu'ailleurs. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour les Indiens, en termes d'alliance, ils ne penseront jamais. C'est simplement en termes d'intérêt précis, concret, sur chaque dossier. C'est difficile d'imaginer de, de, un, un monde à, 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 à venir aujourd'hui parce que euh, le, le monde est devenu, j'emploie le mot de, de, du ministre des Affaires étrangères indien, euh, plus anarchique. Plus anarchique puisqu'il n'y a plus des deux, les deux grands pôles qui, qui polarisaient tout. Maintenant, il n'y a, a, a plus de polarisation. Il y a une multipolarisation, mais alors à, à, à effet variable. Donc on a, on, on a pour l'instant un monde qui est vraiment nouveau et où la texture du monde ancien n'existe plus. Max, je vais me permettre une... Ce qui n'est pas complètement une plaisanterie d'ailleurs, tu viens de parler de la multipolarité. Euh, effectivement, avec ta description de l'Inde, avec ses éléments fondamentaux, ce que tu, ce que tu as dit, euh, puissance globale, euh, pragmatisme, absence d'alliance, euh, et en même temps volonté de peser sur, sur la marche du, du monde. Tout ça dans ah, ce contexte. Absence d'alliance, euh, oui, en tant qu'alliance, euh, alliance militaire, mais, oui, 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 mais, oui. Pas, mais pas absence d'entente. Par exemple, la, la, ce qu'on appelle le quad, c'est très important maintenant. C'est une, une entente qui est là et qui a des conséquences militaires euh, entre le Japon, l'Australie, les États Unis et l'Inde. C'est le quad. Oui, et, oui. Et ce quad là s'est dirigé fondamentalement contre la Chine, et notamment l'expansion de la Chine, ou ce qu'il voit comme l'expansion de la Chine dans, dans, dans le Pacifique méridional. Tout à fait, absolument. Non, 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 mais justement, c'est-à-dire euh, euh, on voit que cette multipolarité, et je vais revenir à ma plaisanterie, euh, qui repose sur un principe, celui de la souveraineté. Hein oui, les États n'ont pas la mine, donc que des intérêts. Donc, euh, multipolarité. Euh, c est, c est, et donc, alors que euh, les États-Unis veulent, ont imposé au monde, après la chute de l'Union soviétique, un, une formule qui était. Euh, l'unipolarité l'ordre international selon les règles qui est en train de battre de l'aile parce que ça va donner on verra euh, mais euh, aujourd'hui moi j'ai eu tendance à dire bah, écoutez euh, 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 le monde entier euh, était en train de devenir gaulliste hein, je <laughs> me rappelle du discours de plumpen et euh, le pays le moins gaulliste du monde c'est la France bon qui alors était tellement inséré dans un système <laughs> je atlantiste dire ça comme ça il y, a, il y a du <laughs> bon dans ce que tu dis hein. Donc ça, bon, voilà, c'est une formule, un hein, peu hein, mmh. nécessairement l'emporte-pièce. Donc, mmh. et tu, tu viens de rappeler une chose très importante, euh, c'est qui montre bien, qui complète ce, cette, cette photographie que tu nous as faite de l'Inde, euh, c'est que, un, c'est une puissance nucléaire, et c'est aussi une puissance spatiale. Je rappelle qu'ils ont posé des euh, vaisseaux sur la Lune. Ils sont les premiers à, à, à l'avoir ah oui, refait. Ils ont, ils ont leur satellite géostationnaire. Enfin, je veux dire, ils Oui, ont... oui, oui. Ils ont. Alors, puissance spatiale, ça, ça, ça veut dire ça. Hein. Ils ont, ils ont euh, leur propre développement aussi une de puissance ce de l'Arctique la, et de l'Antarctique. <laughs> une puissance. Ils ont, ils ont, aussi des équipes hein, là-bas. Hein. Donc, je veux dire, ah, oui, bien sûr, c'est une, c'est une très grande puissance. Hein. Et une, penser, une, une puissance. donc, et une puissance nucléaire. Alors, on a, tend on a tendance avec le, le, les gens qui nous gouvernent. Mon Dieu, Seigneur. Euh, à, à avoir perdu de vue ce qu'impliquait ce qu la, dé, la, la euh, dissuasion hein, et la possession de l'arme nucléaire, c'est-à-dire que ça explique pourquoi euh, la Corée du Nord veut l'arme nucléaire. C est, c est une, euh, le, la, la dissuasion nucléaire est quelque chose d'essentiellement défensif. On ne peut pas oui, attaquer avec des armes nucléaires parce que c'est la destruction, la DMA. Destruction militairement assurée, euh, mutuellement oui. militairement, bien sûr, mutuellement assurée. Donc, euh, si vous déclenchez le, le tir, euh, le feu nucléaire, vous êtes mort aussi. Votre adversaire dire, le sera. ça. Je peux, je peux dire un petit mot là-dessus Bien un sûr, ah, euh, sans être trop long. Euh, en revenant toujours à ce non, non, mais tu regard d'aujourd'hui, parce que j'aime bien mettre au goût du jour euh, euh, quand on parle de l'Inde les, les choses, quoi. Parce que c'est un, un ministre des Affaires étrangères tout à fait intéressant. Malheureusement, quand on est français, on peut le suivre mal parce qu'il faut parler bien anglais pour le, pour le pour le comprendre, parce que il est sur YouTube, il est partout en anglais. Mais ce, ce ministre des Affaires étrangères est, est le fils euh, de d'un de, 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 homme que moi que j'ai énormément côtoyé hein, dans ma vie et qui était le, le, le patron. Euh, le, le patron intellectuel de, de l'arme atomique euh, indienne. C'est un de ceux qui, qui, qui a conçu cette stratégie de dissuasion et la façon dont faire avancer l'Inde dans le domaine du développement nucléaire. Et simplement ce que je voudrais dire, c'est que l'Inde entre dans son développement nucléaire comme un pays comme la France. C'est-à-dire qu'elle y rentre en, en, ayant, en, ayant, en articulant l'ensemble des, des dossiers afférents au nucléaire, dossiers économiques. Dossiers sociaux, dossiers moraux, euh, dossiers technologiques, elle a une approche nucléaire qui est globale. Et quand elle va devenir un pays nucléaire, elle est déjà un pays qui a compris l'ensemble des implications du nucléaire. Alors, la première fois, elle va, elle va, développer, elle va faire exploser une, une bombe à des fins pacifiques, 1974. Là, c'est le père de, 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 de M. Baniam d'aujourd'hui, est un de ceux qui a bien, bien travaillé là-dessus. Et puis ensuite, en 1998, il travaille aussi là-dessus, ce monsieur qui est le père actuel, hein, va développer le nucléaire à des fins militaires. Là, il va y avoir un problème tout de suite, elle va être sanctionnée. Mais peu à peu, elle va arriver, à, 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 avec patience et détermination, à se faire reconnaître comme puissance nucléaire sans même avoir signé le traité d'interdiction des essais nucléaires. Et, et on a aujourd'hui un pays qui, en effet, utilise le nucléaire avec toute la profondeur que ça a, hein, de, de façon dissuasive. Je, je veux dire une chose, c'est qu'à côté de l'Inde, il y a un autre pays qui a une bombe nucléaire, c'est le Pakistan. Le Pakistan a une bombe nucléaire qui n'est pas une bombe du type indienne dans sa réflexion, c'est une bombe de rattrapage. C'est-à-dire que comme l'Inde a la bombe, alors vite, il faut qu'on l'ait. Et donc, Benazir Bhutto a dit à l'époque on va avoir une bombe islamique. Ce qu'il va vous dire par islamique, c'est une bombe qu'on qu va faire financer à la va-vite par les États euh, comme l'Arabie Saoudite, qui ont beaucoup d'argent, et qui vont nous permettre de bricoler une bombe nucléaire grâce aux apports de beaucoup d'espions. Le service d'espionnage pakistanais avait un, un énorme espion dans le nucléaire, qui est un des plus grands espions du monde, ils sont arrivés à faire très vite une bombe nucléaire. Ils ont fait du nucléaire de rattrapage, si je puis dire. Le nucléaire indien n'est pas un nucléaire de rattrapage. C'est un nucléaire qui est équivalent du nucléaire russe ou américain ou français, conçu dans un développement relativement long, avec des dossiers qui sont plus ou moins contrôlés. Plus ou moins contrôlés, parce que dans cette arme-là, il y a des dossiers qui ne sont pas contrôlés. Et notamment, l'écologie n'est pas du tout contrôlée. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire avec les déchets. Personne ne sait. Donc, on a, on a quand même de grandes interrogations. Mais, mais globalement, l'Inde rentre dans la, la, la catégorie des grands états nucléaires. Donc, elle, elle sait parfaitement ce que c'est que la dissuasion. Elle en discute fréquemment. Euh, elle a des think des tanks, elle a des chercheurs, elle a des débats militaires, civils. On a, on a affaire, là aussi, à une, une puissance très mature. Euh, sur, le, sur le, 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 le plan international. Et c'est pour ça qu'elle mérite bien le nom de puissance globale. Parce que puissance globale, ça veut dire aussi puissance nature, hein, par certains côtés. Alors, tout ça est, est, est tout à fait passionnant. Je, je m'attendais un petit peu, connaissant Max, euh, à toutes ces, toutes ces informations, mais qui permettent de, de, de mieux comprendre euh, l'Inde et de mieux comprendre le monde, d'ailleurs, parce que, euh, et, et, et pas seulement euh, l'Asie. Euh, je, je crois que c'était indispensable euh, d'avoir cette, euh, cette vision. Alors, euh, sur le plan politique, euh, élections législatives, est-ce que. D'après toi, Modi va, va, va l'emporter. Il semble qu'il tienne bien sa maison. Ça, c'est ce que je retiens de mes lectures. Euh, Moi aussi, euh, je retiens ça de mes lectures aussi. Oh, c'est bon, donc euh, Modi va euh, pour, euh, poursuivre. Alors, j'ai bien noté euh, la personnalité de ce ministre des Affaires étrangères qui est effectivement très présent. Je ne vais pas prononcer son nom, j'y arriverai pas. Hein. C'est euh, ben, Man... facile. Subramaniam. Subramaniam. Voilà, je crois que alors quand tu dis que c'est en anglais quand tu dis que c'est en anglais moi tu sais qui ne parle pas une langue étrangère j'ai fait mes humanités latin grec évidemment allemand première langue donc j'ai résisté je ne parle pas un mot donc euh, mais merci les logiciels de traduction ça ça m'a changé la vie ça m'a changé la vie. Donc, euh, effectivement, il faut, il faut aller, aller euh, regarder Alors, ce qui… Ça vaut le coup d'écouter parce que c'est un grand intellectuel, ce type, en même temps. En plus, voilà. Il fait partie d'une caste intellectuelle du sud de l'Inde, du point de vue de son origine, qui est connue pour une, une des très grandes castes intellectuelles de Même parfois, il parle comme ça, avec son doigt comme ça. C est, c est, il fait des leçons. Mais, mais comment dire mais on, a, on a affaire à un type qui domine énormément le champ intellectuel hein. Euh, il a, il a, il a d'ailleurs un, un, un frère qui est un de mes collègues au CNRS en France et qui est un très grand intellectuel indien de langue française. Sur l'histoire de l'océan Indien et des rapports commerciaux au 16e et 17e siècle. Donc, on a, on a, on a affaire à une famille d'envergure, le père et les enfants. Et cet homme est très intéressant. Il y a, il y a une chose qu'on qu ne connaît pas bien, mais moi j'aime bien, parce que tu connais mes idées politiques, qui sont comme les tiennes, donc j'aime bien regarder derrière l'intelligence ce qu'il y a, c'est-à-dire l'argent. D'où <laughs> vient l'argent c'est quand même quelque chose de très très important pour, euh, dans les journaux, dans la politique, euh, qui paye, qui finance, tout ça c'est très important. Et je découvre, il n'y a pas très longtemps, parce que je, je me suis intéressé beaucoup à cet homme dans le cadre de ton émission, parce que ça m'a fait, fait retravailler un peu ces choses-là. Et je m'aperçois qu'il est sénateur, euh, d'ailleurs du Parti nationaliste hindou, le BGP, et il est, il est sénateur du Gujarat. Et je me disais pourquoi le sénateur du Gujarat, c'est un État du nord de l'Ouest, lui, du nord-ouest. Lui, sa famille, il a été éduqué à Delhi, sa femme, sa femme est, est, est d'origine japonaise, et, et, et lui, il vient d'une famille qui est du sud de, de l'Inde. Bon. Puis, je m'aperçois que dans, dans, sa, dans, dans ce que je vois des éléments, euh, ce, ce monsieur Subramaniam, Très grand diplomate et très grand ministre des Affaires étrangères, est également le, le président d'un trust absolument considérable qui s'appelle euh, Tata Sons. Tata, c'est la famille industrielle la plus riche de l'Inde, la plus ancienne de l'Inde, celle qui est regroupée autour de Bombay, celle qui est la plus industrielle, celle, celle qui est la plus immensément riche et celle qui a le plus d'ambition industrielle pour son pays depuis très, très longtemps. Tata, dès 1924, voulait faire des locomotives. Il était capable de faire des locomotives avec du charbon indien, avec des ingénieurs indiens. C'est un pays colonisé. Hein, avec des, ja des ingénieurs indiens, avec du charbon indien. Il avait ses mines de charbon. Et aussi avec tous les rideaux dans les bureaux. C'était la coton Tata, les mutines. Il faisait du coton. Il faisait tout. Il faisait tout. Et il, il alimentait il et alimentait bombait en électricité grâce à ses centrales électriques. Ça, c'est un grand capitaine d'industrie, Tata. Mais Tata, qui est, est l'un des grands capitaines d'industrie de l'Inde et qui est aujourd'hui la fortune la plus considérable l'Inde avec des, on comprend, des fondations extrêmement solides et, et anciennes. Tata s'était même demandé un jour s'il ne devait pas faire de la politique. Il était intéressé par la politique, mais sûr, sur une base nationale. Ces gens rejoignent rejoint le mouvement d'indépendance nationale sur la base de leurs intérêts. Et euh, ce Tata-là, le groupe Tata le plus important de l'Inde, il a, il a une, une entreprise commerciale qui s'appelle Tata Sons Limited. Qui est l'actionnaire qui, qui possède l'ensemble des actions, le plus gros des actions, la majorité des actions de l'ensemble du groupe de toutes ses filiales. Eh bien, l'homme qui est président de Tata Sons Limited, c'est le ministre des Affaires étrangères indien. Et vous savez, il est pas, il, tu sais, il est pas, il est pas physiquement, il n'est pas très impressionnant. C'est un, c'est un homme de dimension petite, gentil, très intellectuel, mais Derrière l'apparence, peut-être du, la, du, du jonc qui, qui plie, il y a la force euh, énorme euh, de l'argent et du pouvoir derrière. Alors, ça, c'est évidemment, c c pas, c pas, on peut comprendre que, le, que le, ce parti d'extrême droite indienne, c'est aussi le parti de la grande finance et de la grande industrie indienne. On, 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 il ne faut pas voir les fascistes ou, disons, l'extrême droite, on ne va pas employer le mot fasciste l'extrême droite euh, comme comme un pays dé, comme un parti désincarné par rapport euh, simplement un parti d'idées non 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 c'est un parti qui sait où se financer alors c'est tout ça est, 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 est passionnant parce que d'abord la personnali cette personnalité là est, est essentielle je crois au un, côté de ce remarquable pour moi c'est indépendamment voilà. de ce que je dis hein. le, le, le et et il, faut, il faut... Il faut suivre. Il euh, y a Donc, la question, question, la question économique, la question euh, des, euh, dans, dans, dans un certain nombre de pays des oligarques. Alors nous, on a Bernard Arnault, on est tout content parce que il c'est la première euh, 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 fortune du monde. Euh, bon, il bah, euh, y a des oligarques en Russie, ils sont contrôlés. Il euh, y a des oligarques en Chine, ils sont contrôlés. Il euh, y a des oligarques en, en... En Inde, ils sont au pouvoir directement. Hein, ce, sont, ce sont les mêmes et avec une approche manifestement une approche théorique de, de l'avenir de leur pays. Euh, tout ça, tout ça est, est, est tout à fait euh, essentiel et il est très important de se pencher, de le savoir pour euh, imaginer comment ce monde extrêmement incertain. Parce que à la place où on est, nous, euh, on est les plus mal, on est du mauvais côté de l'histoire. On est les plus mal Placés pour faire de la prospective, pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. On est dirigé par des ânes. Euh, je suis désolé, mais euh, euh, voilà, c'est c'est un peu tragique euh, sur le plan international. L'Inde a eu des comptoirs en Inde. Hein. Des comptoirs oui, la Inde. France, la France, oui oui oui, oui. La France, la France, hein je veux dire, La France. Mais mais surtout l'un des premiers, l'un des premiers. Euh, J'exagère un peu parce qu'à euh, l'époque, c'était à la fin du XVIIIe siècle, mais quand même, euh, l'un des, des premiers à, à avoir senti qu'on euh, euh, n'est pas anglais, mais on est indien. Et comme on est indien, euh, on doit lutter contre les anglais parce que leur occupation, elle est mortelle. Ceux-là, ils ne sont pas comme les autres. Ce n'est pas comme les, les musulmans qui arrivent du nord et puis qui s'installent en Inde et puis qui deviennent indiens. Non, eux et la reine d'Angleterre, elle ne va pas déménager de son, de, de, de son palais pour venir s'installer en Inde. Elle va jamais devenir indienne. Ils sont là en tant qu'anglais pour nous exploiter et nous voler. Le type qui comprend ça, c'est un musulman. C'est un musulman qui s'appelle Tipu Sultan. Et ce Tipu Sultan, il en tire des conséquences, notamment si nous sommes indiens alors c'est que la différence entre hindous et musulmans est moins importante que la différence qui nous occupe, qui qui nous qui nous, oblige, qui nous, qui nous oppose aux au britanniques. Il va donc avoir une petite, un, un embryon de politique. Et il regarde le monde, ce type. Parce que comme il est musulman, qu'il n'est pas hindou, il a plus l'habitude du monde global, à l'époque, que les hindous. Là, maintenant, ça s'est renversé. Mais à l'époque, un musulman, il venait d'Irak, il venait d'Iran, il venait de Turquie. Donc, ils avaient une vision, une vision du monde qui était, qui était quand même assez, assez intéressante. Ce type-là comprend que à côté des Anglais, il y a une puissance qui pourrait l'aider, c'est la France. C'est la seule qui peut l'aider contre les Anglais. Et donc, Tipu Sultan va écrire à Louis XVI. Et qui Louis XVI tombe, il va écrire à Napoléon. Et il va essayer d'avoir une. Oui, oui, il y a des correspondances entre oh, ce. Ce, entre, entre cet homme et, et la direction française de l'époque. Et finalement, bon bah les, les, les Français vont lâcher le morceau et c'est les, les Anglais qui vont l'emporter en, en Inde. Mais il, y a, il y a dans le domaine de la politique étrangère, il y a un rapport entre la France et, et, et ce type, Tipu Sultan, qui est un type tout à fait, tout à fait intéressant. Il est même fascinant. Moi, j'ai travaillé un peu sur lui. Il est, il est tout à fait euh, intéressant. Puis j'insiste, je, je, parce que l'Inde, c'est quand même étonnant. Il y a un Maharaja de l'Inde qui va adhérer au club des Cordeliers pendant la Révolution de France. Voilà, c'est qu'il y a toujours eu des passages. Il y a eu mais des passages, on les, ignore. on les ignore, mais les Indiens les connaissent. Les Indiens nous connaissent mieux que nous, nous les connaissons. Oh ben clairement, mais malheureusement, avec la France, c'est ce qui est en train de se passer. Hein, tout comme euh, euh, Okimine a travaillé à Montargis chez Hutchinson, oui. tout comme Teng Xiaoping aussi. Euh, J'ai connu, connu euh, un maire communiste de Montargis, qui est une petite ville entourée de. de de comment dire de banlieue qui était qui, qui votait communiste mais Montargis aussi qui avait connu Deng Xiaoping hein, euh, donc ça, bon c'est des, des choses le temps passe mais moi j'ai euh, rencontré mais... Deng Xiaoping j'ai parlé une heure avec lui même ah, ben, euh, voilà et, et en effet et, il avait il avait parlé il, a, il parlait de son séjour en France donc un homme qui n'était pas et moi je l'ai connu il était un peu vieux il était un peu grincheux oui. <laughs> bon il est sorti de là la... Il a sorti son pays euh, ah oui. du, 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 de l'ornière de, la, de bah, la. Lui aussi, il était très pragmatique parce que peu importe que la souris soit grise ou soit blanche. Non, euh, que, le chat, le chat. que le chat. le Que le chat. Non. Du moment qu'il attrape la souris. De, 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 oui, du moment qu'il attrape la souris. Du moment qu'il attrape la souris. Ça, ça aussi, c'est une autre euh, question. Bon, euh, euh, Max, merci infiniment de nous avoir ouvert cette fenêtre sur un pays extrêmement important. Dans Donc un à, monde à disposition avec Dans un monde qui change, on reviendra avec l'ami Max. On parlera pour nous tous les deux du Kerala, hein, qui est un des États dirigés par les communistes, parce qu'il y a deux partis, semble-t-il, hein, assez complexe. Euh, pays, pays euh, finalement assez assez avancé, euh, et, et ce sera l'occasion effectivement Où de rentrer tout un monde petit sait peu réécrire, y compris les femmes. alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire Voilà. Tout à fait, absolument. Tu ce que, ce que... peux raconter une cette... anecdote là-dessus Ah je, oui, oui, allez, on va la dire parce que tu, tu là, me l'as donnée la avant et je l'adore. La dernière, parce que dans les années 1980, 86, je crois, j'avais fait une interview pour l'humanité du, 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 du chef du gouvernement du Kerala, et communiste. Et donc, j'avais été le voir comme journaliste français et je lui avais dit mais euh, 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 tout le monde sait lire et écrire au Kerala. Donc, c'est grâce aux communistes, parce que moi j'étais l'idée, les communistes, bon, ben, ils ont développé les écoles comme ils font partout, et donc c'est grâce aux communistes que les Kerala euh, savent, euh, savent lire, parce que le Kerala, c'est un État communiste depuis 1958, donc ils avaient le temps, 57, 57, donc ils avaient le temps de, de, de faire des choses. Bien. Et ils me diraient, non, mais pas du tout. Nous, c'est n'est pas du tout nous qui avons appris à lire et à écrire aux gens du Kerala ce sont les missions chrétiennes. Les missions chrétiennes ont systématiquement, et grâce à un maraja très, très, très progressiste, ont, ont, ont appris à lire et écrire à la population. Et nous, si nous sommes arrivés à écrire, c'est parce que les gens euh, à, au pouvoir, c'est parce que les gens savaient lire et écrire. Ce n'est pas nous qui leur avons appris à lire et écrire. C'est parce qu'ils savaient lire et écrire qu'ils ont voté communiste. Moi, j'ai adoré la réponse. — Absolument, absolument, parce que, bon, ça me fait écho à ce que disait Emmanuel Todd quand il présentait son bouquin relativement récemment, et qui avait parlé de l'obsession des États socialistes à l'éducation, pour l'éducation, pour l'alphabétisation, et là, nous avons une pirouette de nos amis du Kerala qui disent « Non, 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 ce sont les chrétiens ». Bon, c'est pas… Euh, effectivement, c'est pas une… une comment dirais-je, une mauvaise nouvelle, ça prouve aussi que l'émission hein, était capable de faire un... un Alors, ah mais il ne faut, faut, faut pas me mettre là-dessus, parce que moi je peux parler de l'Inde pendant des heures et des heures. Mais comment dire, enfin, Saint Thomas est de mort en Inde. Eh oui. Voilà. Il, a sa tombe, il a sa tombe à Madras. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça ne s'appelle plus Madras. Mais comment dire, il a sa tombe là-bas. Alors, moi, je ne sais pas si c'est la vraie tombe du vrai Saint Thomas. Est, les premières communautés chrétiennes euh, indiennes, euh, indiennes se, sont se sont installées à l'époque de Saint Thomas. Et Saint Thomas, si je, si je me souviens bien, avait connu Jésus-Christ. Mais absolument, c'est celui, celui qui voulait qu'on lui montre les stigmates. Voilà. Euh, c'est un, un pourquoi. contemporain. Mais j'ajoute. Mais là, il sera intarissable là-dessus, l'ami là, Max. J'ajoute qu'il y a une, une légende qui prétend qu'après sa résurrection, le Christ a filé en Inde. Hein ah Et oui, oui, bien sûr, il y a 20 ans. Il est resté 20 ans. 20... <laughs> Alors, Alors, il y là, en je ne m'avancerai prétend... pas là-dessus. Hein. Il, là a... <laughs> il y en a qui prétendent. Il est parti, je crois, en Irlande. Hein c'est l'histoire de... de euh, je ne sais plus comment s'appelait ce film et puis ce bouquin-là. Hein Donc, après avoir épousé Marie-Maldanou, je ne sais plus. Hein enfin, en tout cas, non, ça, c'est un mensonge. Il est parti en Inde. Bon, écoutez, chers amis, euh, c'était un petit peu détendu, mais je crois extrêmement important et tout à fait passionnant. Et j'entends vraiment remercier chaleureusement l'ami Max. Je vous dis à bientôt. Restez fidèles au poste. Alors. Les petites consignes habituelles, euh, abonnez-vous, abonnez-vous, c'est très important, non pas parce que vous allez être notifié des publications, mais parce que ça fait plaisir à YouTube qui ensuite euh, demande à son algorithme de nous, euh, de nous promotionner. Euh, mettez des pouces, des commentaires, élogieux bien sûr. Hein. Je crois que tout ça nous aide à faire ce travail de réinformation. À très bientôt. Salut Max. Salut à toi. Au revoir.